Ça fait une éternité que je suis pas revenue par ici. J'espère que vous allez bien. Je viens voir s'il y a toujours du monde par là. Pour vous faire un petit résumé de ma matinée, je me suis réveillée tout simplement. Et ensuite j'ai sauté sur mon ordinateur et je me suis mise à écrire des idées de vidéos. Du coup je rédige des vidéos, je pense à de nouveaux concepts de vidéos. Et c'est généralement ce que je fais le lundi matin en fait, j'écris. Aujourd'hui ça va être essentiellement ça. Là je vais faire une pause. Je vais manger et généralement je mange devant une série. Là je regarde Jane the Virgin, j'aime bien. Je trouve ça assez sympa, c'est pas prise de tête. Genre t'es pas obligé de suivre le truc de ouf. Donc généralement je mange devant. Et ce soir il y a ma maman qui arrive parce que demain du coup on a rendez-vous. Enfin j'ai rendez-vous chez le comptable, mais je préfère que ma maman soit là vu que ma maman est comptable. C'est toujours un peu plus simple qu'ils puissent se parler ensemble dans leur jargon. Et moi je suis là et je les regarde et c'est mieux pour moi qui suis pas très à l'aise avec ce monde de la comptabilité. Donc voilà, je vais manger parce que sinon ça va refroidir. Et je mets ma série et ensuite je verrai si je vous reprends rapidement. Bon bah j'étais en train de manger tranquillement et j'ai eu un appel de DHL qui ont un colis pour moi et qui me disent ah non il faut descendre ma maman. Donc du coup voilà, bisous le petit brunch et puis c'est parti hein, je vais aller les attendre 5 minutes le temps que ça refroidisse et puis voilà. Et puis bye bye James the Virgin aussi hein. Je viens de récupérer le colis et je vais pouvoir enfin manger. Amgli. Oui, on va pouvoir manger enfin. Ça va toi? Oui, ça va toi. J'ai l'impression qu'il dit arrête quand je dis ça. Ça va toi? Oh bah oui, ça va mon amour. Je viens d'ouvrir le colis et c'est un colis de chez Ralph Lauren et c'est un pull que je dois vous shooter incessamment sous peu pour Instagram et du coup je suis contente. Voilà, je vous montrerai plus en détail du coup sur Insta, mais je le trouve mimi. Voilà, je vais continuer la fin de ma série, prendre un petit dessert et je me remets au travail. Je suis en train de boire mon café devant la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Salima. Je crois, c'est ça, oui. Et en fait, c'est Nabila qui a créé sa marque de rouge à lèvres. Elle est en train de les essayer, en fait. Elle est en train de lui faire un make-up avec. Et je trouve ça top. Genre, la vidéo est sympa à regarder. Et elle est très nature, en fait. Elle a souvent ce cliché de la meuf superficielle et tout. Mais elle est super nature dans cette vidéo. Et sa marque de make-up, vraiment cool aussi. Genre, les couleurs, elles sont facilement portables pour la vie de tous les jours quand on n'a pas envie d'être trop extravagant et tout. Donc, non, je trouve ça vraiment très top. Et je vais terminer la vidéo, boire mon café. Et je m'en vais au travail. Je suis en train de me maquiller. Je pense qu'en fait je vais profiter d'avoir un peu de temps aujourd'hui à la maison pour shooter le pull. Et je vais essayer de reproduire un petit genre un petit environnement Noël, cocooning, tout ça. Genre je vais essayer d'utiliser mon petit sapin. Du coup je vais essayer de faire ça toute seule. Et si je galère trop, j'y arrive pas, je pense que je profiterai d'être avec quelqu'un pour lui demander de me prendre en photo parce que c'est peut-être compliqué. Je verrai, je vous dirai. Je suis en train de réaliser que là, genre tout le maquillage que je suis en train d'utiliser pour me maquiller, c'est ultra ultra girly. Genre le packaging est rose de ouf de partout. Ça c'est un anti-cerne de chez MAC. Enfin je l'adore, j'en mets quand même pas mal sur mon visage et ça me permet de pas mettre de fond de teint. Genre je l'adore vraiment. Pour mes sourcils, j'utilise toujours le Browsings de Benefit depuis très longtemps maintenant. Je vais utiliser ce liner de chez Fenty Beauty. J'utilise le Better Than Sex juste là, c'est un tout petit format, je l'aime bien ce format voyage. Et la palette Too Faced de la collection Pretty Rich qui est magnifique, genre vraiment trop trop jolie. Vous avez des couleurs, genre je l'adore. J'ai envie d'utiliser cette palette genre pendant tout le mois de décembre. Et voilà, super jolie, Pretty Rich. Genre là, cette couleur là. Celle-là, celle-là et celle-là, mais elles sont magnifiques quoi. Trop trop belle. Aussi je voulais voir un truc avec vous. Vu que vous êtes beaucoup moins nombreux sur cette chaîne, c'est plus facile en fait de vous proposer un contenu un petit peu plus adapté et qui plaît à un maximum de monde. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez voir genre sur cette chaîne, si vous préférez des vlogs au jour le jour comme ça, enfin de temps en temps, ou si genre un truc du genre weekly vlog ça vous tenterait. Je sais pas si je suis capable de faire ce genre de truc là parce que je parle beaucoup trop et genre mettre 7 jours dans un seul vlog, enfin j'ai peur de me retrouver avec des vidéos qui font genre 50 minutes, mais je peux essayer de voir en fait, genre en fait essayer et pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez bien voir et puis je pourrais voir pour être un petit peu plus active sur cette chaîne là parce que je trouve ça cool en fait d'avoir une chaîne un petit peu moins connue et qui permet vraiment d'avoir
j'allais dire la crème de la crème, mais genre les gens qui s'intéressent vraiment un petit peu plus à ma vie et tout ça. Et du coup, bah voilà, quoi, je peux partager des choses complètement différentes là-dessus. Et c'est aussi agréable en fait de faire des trucs différents. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous préférez, ce que vous voulez voir là-dessus. Puis moi, bah, en attendant, je termine de me maquiller. Je suis vraiment genre en train de prendre mon appartement pour un studio. J'essaie de prendre des photos un petit peu partout dans l'appart. C'est horrible, genre, enfin, je fais rarement ça, genre des shootings dans mon appart. Généralement, je fais ça à l'extérieur et tout. Mais vu que là, je suis toute seule, j'ai pas trop le choix. Et voilà, c'est pour ce pull-là que je trouve vraiment trop kiki, 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 joli, mignon. Du coup, voilà, je vais continuer de galérer un peu. Et puis, bah, je vous montrerai les résultats s'il y a quelque chose de bien qui ressort de ce shooting. Tu sais que t'avais tombé la plante? T'es, c'est pas bien. Donc voilà le résultat du petit shooting homemade. J'espère que je vais réussir à faire un truc cool avec les retouches et tout pour que ce soit plus éclatant, comme on dit. Mais voilà, du coup. En gros, j'ai mis mon appareil photo sur mon calendrier Yankee Candle, dans mon petit ananas de chez Kenzie Home là, et sur mon petit porte-carte. Et du coup, j'ai essayé de faire ça comme ça. Donc là, vous avez vraiment les backstage de chez Backstage. Au début, je voulais genre accessoriser un petit peu avec un sapin et compagnie, mais c'était trop compliqué. Donc je m'en suis tenue à juste le pull et à jouer en fait sur le ciel. Là, vous voyez pas trop, mais voilà. Jouer avec les couleurs du ciel et tout. Donc voilà, je vais essayer de retoucher pour voir ce que ça va donner et j'espère que je vais avoir un truc cool. Ouais. Je viens de terminer la retouche de la photo et donc là en fait comme à chaque fois quand on collabore avec une marque, je viens d'envoyer la photo et la légende que j'aimerais bien mettre et j'attends leur retour en fait. Du coup c'est la prochaine étape, je vais vous montrer la photo et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc c'est celle-là, donc ce qui veut dire que si vous voyez cette photo sur mon Instagram incessamment sous peu, c'est qu'elle a été acceptée et si jamais bah, vous la voyez pas, c'est que la marque a pas validé celle-là et qu'il va falloir que j'en fasse une autre. C'est totalement flou, je suis désolée de vous parler quand c'est flou. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps de faire ça. Du coup, j'ai pas réussi à terminer à écrire tout ce que je devais écrire. Et puis, peut-être falloir que je prépare un peu l'appart parce que quand ma mère va arriver, j'ai pas envie que ce soit le bordel là comme ça. Avec l'éclairage et tout, le sapin dans le bazar et tout. Enfin, il va falloir que je range un peu tout ça. Hein ? On va ranger mon Léo ? On va ranger mon doudou ? On va ranger ? Oui, on va ranger. Et c'est parti pour la mission rangement de l'appartement. T'as toujours un petit mot à dire toi hein. J'ai terminé de ranger l'appart. Je viens d'éteindre mon ordinateur. Et là du coup j'ai mis bah, ma série. Je regarde Jane the Virgin en attendant que ma maman arrive. J'ai reçu un... Non c'est pas elle. Et j'ai hâte qu'elle arrive. Du coup je l'attends comme une enfant. Y'a mamie qui est arrivée Mowgli. T'es vexée qu'elle soit partie faire pipi avant de te dire bonjour? Hein, t'es vexée? Tu gardes son sac. Elle arrive. Coucou. Bonjour les bébés. Bonjour les bébés. Il est content de te voir. Il se frottait partout. Tu vas sentir la crotte. La crotte. N'arrête pas de l'appeler comme ça. Oui. Il fait le mignon. Bonjour le bébé. T'es beau, dis donc. Oui, beau. Ah, lâche. T'es content, Mowgli? Bah ouais. Bah ouais, t'es content. Oh bah oui. On va ouvrir son calendrier de l'avant. Tu vas lui donner ses friandises. Ah, il a un calendrier. Ils en ont un chacun. Non, mais je te jure. Ah, vous avez des trucs pour chat? Oui. Ah ouais, c'est trop bien. C'est trop mignon. Petit car quand il le voit, maintenant je crois qu'il le reconnaît en plus. Quand je le montre. J'aime bien aussi moi. Regarde. C'est quoi ça Mowgli? Les friandises du calendrier de l'avant. Non, regarde pas celle de ton frère. C'est les tiennes qu'il faut que tu manges, nounours. Non, toi t'es pas trop aussi. Moins goulure, comment il se goinfre lui par contre. Ouais. Il mangerait tout le calendrier si ah ouais. S'il pouvait. Alors que Léo, tu vois, il se régule. Il est moins goulu quoi. Ouais, genre il va en manger marrant. Deux, puis c'est fini, tu vois. Genre. Et bah lui, c'est Olive par contre au niveau de la bouffe. Ouais. Henri. Henri des Ardennes. Maman découvre son nouveau téléphone. C'est le Xiaomi. Trop ah trop oui. Cool. Je vais l'appeler Désiré. Ah, regarde. Le temps que tu l'attends. Ça y est. Alors là, je peux regarder la lumière. Ouais, tu fais voilà comme ça. Ouais. Et là, pouf, tu peux mettre la lumière. Merde. Ah ouais. Ah, je me suis trompée. Attends, là. C'est là comme ça, fait pouf.
Ah ouais. Et là, hop, trop une bonne luminosité oh et tout. Ah ouais, c'est chouette. Il est trop bien ce téléphone. Ah ouais, c'est génial. Oh, dis donc, il est sensible. Ouais, il est trop bien. Ah, c'est sympa. Ah ouais, c'est chouette. Charge aussi Instagram. Ouais, c'est bien. Instagram, bah oui, c'est vrai. Alors, connexion. C'est le téléphone qu'on m'avait donné quand je suis partie en Turquie. Et vu que moi, je m'étais acheté mon nouvel iPhone, bah, j'en avais pas l'utilité. Et maman, bah, son téléphone ne marchait plus. Donc ça tombe trop bien. Ah, c'est génial les touches en plus. Parce que moi, à chaque fois, le mien. Faut que t'appuies dessus, genre. Et puis je me trompe. Parce que j'ai les doigts trop gros. Que là, je trouve qu'il y a de la place entre les touches. Elle est contente. Je vais moins parler. Parce qu'avant, je parlais, mais il disait n'importe quoi le téléphone en plus. Oui, oui. Oui, ouais. C'est vrai, à finesse, le téléphone. Je sais pas si on peut parler aussi là. Si, t'inquiète. Là, c'est la haute technologie, hein, le Mi 8. C'est trop bien. Ah oui, il a l'air super. Ouais. J'ai utilisé pendant presque une semaine. Trop bien. Ça sent bon. Ouais. On a pris des sushis. C'est ma soupe. Oh, trop trop bien. Trop trop contente. Et il y a Emmanuel qui a parlé. Et Mougli qui baille. Et maman qui est en train de réinitialiser son téléphone. Voilà, la petite soirée en perspective. Trop contente. C'est génial. C'est des nouilles. Moi qui avais faim. Super bon. Trop bon. Ah ouais. Et on regarde. Comment ça s'appelle? Ma vie après toi. Ah oui. Ma vie après toi. C'est ça. Bon, bah le vlog, écoutez, avec maman, on va aller se coucher. Là, il est 2h du matin. Maman elle a joué avec son nouveau téléphone, on a regardé le film, on n'a pas trop aimé, enfin moi j'ai pas aimé, on n'a pas accroché. Non, hein. Non. C'est pas bien. Non c'était pas bien, hein. Ma vie après toi là, je crois que c'est espagnol, je sais pas trop, ouais. Mais on n'a pas aimé. Ouais, c'était pas. Donc on n'a pas regardé jusqu'à la fin, moi j'ai remis Jane the Virgin, du coup j'ai regardé un petit peu la série. Ah oui. Et voilà, et demain du coup on se réveille pas très tôt, ça va, vu qu'on a le rendez-vous à 12h30, donc ça va, on a le temps de faire une grasse mat jusqu'à au moins 10h, genre je pense. Oh oui, ouais. C'est une bonne grasse mat. Ouais, c'est une bonne grasse mat. Donc voilà, je fais plein d'énormes bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à très vite du coup, à bientôt pour un prochain vlog. Selon ce que vous me dites, selon ce que vous me disiez, dites. Non, dites. Vous hein. Me dites. Ouais, j'ai raison. Je suis perdue, je suis trop fatiguée. Donc voilà, plein d'énormes bisous et puis à bientôt. Salut.